Dance when the bass hit, dab on the spaceship. Me and all my motherfucking homies going ape shit. Salut, salut à tous. On se retrouve ce soir donc pour une nouvelle saison de GTA 5 RP 5M bien évidemment sur le serveur Bad Night version 2 comme vous pouvez le voir. On va créer notre personnage bien évidemment et on va partir explorer un peu cette ville, voir ce qu'on peut faire de bien, de pas bien, etc. etc. Voilà tout simplement, donc je crée tout de suite notre ami Ciro Savastano et on se revoit dans quelques minutes. Et voilà, notre petit Ciro Savastano est présent en ville, on l'a un petit peu habillé et bah, on va aller voir ce que ça donne. Let's go. On va voir si on rencontre un peu de monde. On va essayer de checker. Ah ouais d'accord. Fort. De se choper une petite épicerie histoire d'aller prendre éventuellement un téléphone. That is the boogie trip. It's... Alors j'avoue que pour le choix des quantités c'est très très bien pensé quand même hein. D'habitude on est obligé d'appuyer continuellement pour acheter une grosse quantité, là on peut choisir. Il n'y a pas énormément de choix au niveau de cette épicerie, je ne sais pas si les autres proposent d'autres choses. Permis. Donc, on va essayer de faire ça. Bon bah c'est parti. On y va. On va aller passer notre permis. Et après on essaiera sûrement de passer au commissariat. On va voir s'il y a du monde. Généralement les points principaux au commissariat, le garage central, etc. Et voir si on arrive à commencer à faire des contacts. Dans les feux rouges, j'ai pas le temps non plus.
tout. Est-ce que je vais avoir assez pour passer le permis? Là est la question. Là est la question. Bon allez, je pense que ça devait être des questions habituelles. 500$ l'examen du code, ouais, ça reste raisonnable. Allez, on y va, on se prend pas la tête donc. Les rétros, vérifier les angles morts et signaler nos intentions. Alors, qu'est-ce qui est permis quand vous dépassez un autre véhicule? Le suivi est prêt pour doubler plus vite? Non. Doubler en quittant la route? Non. Conduire sur la route opposée pour dépasser? Ouais. Bon, j'ai eu mon permis. Ok, le test est réussi. Hop. Donc, on a déjà ça. Et maintenant, pour la voiture. On va voir. Alors, on a examen de conduite moto 2005, camion 4005 et voiture 1005. On va commencer par la voiture, forcément. Allez, c'est parti. On va cibler petit point, comme d'hab. La vitesse limitée à 50. On va essayer d'y aller tranquille. Hein. On est pas là. Hop, faites rapidement un stop pour que les traverse. Ok, le stop il est fait. Et allez. Un petit gauche. Un petit gauche. Allez. On va se dépasser les 4. Alors je vous cache pas. Hein. Je pense que je verrai pour accélérer un peu la vidéo, ça peut prendre un peu mon temps quand même. Je crois que j'ai pris un feu rouge, je ne m'en tiens pas compte. On n'a pas mis une erreur, donc c'était pas mal. On va essayer de respecter les limitations de vitesse, les feux rouges, etc. etc. Ça va être un peu long, un peu pénible. Mais bon, on verra bien ça par la suite. Ouais, on va faire la vitesse, 62, on a un feu rouge en face, on s'arrête. De toute façon le feu il est rouge donc que je marque le stop ou pas ça va rien changer à ma vie. Allez, c'est parti. Alors je sais que dans cette ville c'est toléré de prendre des feux rouges comme des stops, de ce que j'ai pu voir. Par ailleurs, sur ma vidéo où je vous conseille de suivre les gens qui sont abonnés à moi. Actuellement voilà, je lance la chaîne donc il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Mais n'hésitez pas à passer voir ces abonnés là, ils font des vidéos de qualité. Mon pote Spec qui est lui aussi sur ce serveur Bad Night, je répète, version 2. Je vous invite tous déjà à venir aussi tester pour ceux qui aiment le RP, qui aiment GTA. Voilà, je pense que sur 5M c'est un très bon serveur. J'ai parler un petit peu sur leur Discord, etc. etc. Et super cool, tous super sympa. Pas mal de patch notes qui sont en cours, qui se font régulièrement. Enfin voilà, c'est assez top. Donc n'hésitez pas, suivez les personnes qui font soit du stream, Twitch ou autre, et surtout ceux qui postent des vidéos YouTube, n'hésitez pas à liker, partager comme d'hab. Vous connaissez la routine, on met la barre de like en PLS, on lâche un petit pouce bleu et on s'abonne, la petite cloche, et voilà. Et on se fait kiffer en regardant des vidéos et en se distrayant un petit peu. Allez, c'est parti. Déjà on voit que ici ça sait pas trop conduire. Ok. Pour moi, feu rouge, lui il fait un demi-tour. On voit le gain en mode détente. Merde,
deux fautes, c'est déjà ça. Allez, 120. En fait, je pense qu'il compte aucune faute, si ce n'est la limitation de vitesse. J'ai pas encore checké où est-ce que je pouvais choper le régulateur. Ça m'a permis de passer un peu plus vite, on va révoquer la vitesse. Je ne sais pas d'ailleurs si on va. Allez, c'est parti. Bon, petite dédicace à Spec hein, qui a fait sa vidéo sur je passe mon permis. Bien évidemment, le petit slalomage. On connaît bien la voiture scooter hein, entre les piles. Donc ça on connaît tous. J'ai qu'une hâte, c'est de passer mon permis, pouvoir conduire comme je veux. Et pouvoir aller un peu me balader en ville parce que là franchement, j'ai envie d'aller voir du monde et de voir ce qui se fait bien. Que Spec avait fait je crois 4 erreurs avant de 4 erreurs sur 5 c'était pas passé loin de son petit cul donc on va essayer hein, de ne pas faire d'erreur ce soir. Je le sens chaud comme la braise, j'avoue ça continue pas trop loin aussi. Même si je fais une erreur ou deux c'est pas très grave. On ira faire les fous. J'ai bien envie d'aller chercher un peu la LSPD, aller les emmerder un petit peu. Hein. Tout bien tout à l'heure, hein, bonne humeur. Hein. Je sais pas si on a une visite médicale à passer ou autre. J'allais me renseigner auprès de la LSPD, ça me ferait une bonne raison d'aller les voir. Essayer de rigoler un petit peu, enfin, rigoler un petit peu quoi, avec eux et sans eux, c'est pas grave, ça va les couilles. On va se mettre un peu dans le sens dans cette ville. Un armurier EZ. Autre chose et du coup j'ai pas vu la vitesse. C'est un peu l'avantage, voilà, j'aime bien avoir justement la petite manette dans les véhicules parce que c'est un peu l'avantage de la gâchette, ça permet d'avoir une vitesse constante. C'est enfin, je trouve ça pratique pour ma part. Je reconnais que certains sont très très bons clavier souris au niveau de la conduite. Hein. D'ailleurs, Spec sur un autre serveur avec sa petite BM s'amusait à taper des drifts en ville. Franchement, c'était des bons délires qu'on se fait taper. Allez, on arrive, on pose la voiture. Et hop là, on a réussi l'examen. Bon. Maintenant, il va falloir que le commissariat qui est juste là.